tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal, et aujourd'hui je vais vous présenter le Plan With Me du mois de juin, que j'ai voulu sur un thème des papillons. Alors j'avais déjà fait un thème un petit peu comme ça, mais j'avais triché parce que j'avais utilisé que des tampons. Et là je voulais vraiment faire les choses par moi-même, donc c'est loin d'être parfait comme à chaque fois parce que je suis nulle à chier en dessin, mais j'ai fait de mon mieux et puis bah finalement ça me plaît quand même. Donc je me suis inspirée pas mal de petites photos et de tutos que j'ai pu trouver sur internet, parce que toute seule j'aurais jamais réussi à faire ça de moi-même. Et donc on commence tout de suite avec la page de présentation. Donc sur la page de gauche, j'ai mon tampon de la page précédente qui a malheureusement traversé. Et donc pour camoufler toute cette misère, j'ai décidé de coller ma petite illustration que je vous ai fait en vidéo. Bah c'est justement la vidéo que vous avez juste avant. Voilà. Donc du coup cette vidéo là, c'est la suite logique de la vidéo précédente que vous avez vue, où j'ai réalisé ma petite aquarelle avec des papillons, tout simplement. Et à côté, pour le mois de juin, j'ai décidé de réaliser des petites tulipes avec trois petits papillons. Et donc pour ce mois-ci, tout sera dans les tons bleus et verts, avec un tout petit peu de violet. Je me suis trompée, en fait je croyais que mon crayon il était bleu, mais en fait non, il était violet. Mais c'est pas grave. Au niveau du matos, j'utilise toujours la même chose, mes crayons de couleur aquarelle de la marque Pic, avec un aquabrush qui vient de chez Action, voilà, et des stylos de la marque Peppermate. Des stylos à pointe fine et des stylos feutres. Sur la page suivante, on change pas les bonnes vieilles habitudes et j'ai réalisé mon calendrier et le tracker. Donc là, c'est comme tous les mois, c'est exactement la même chose. Avec en plus des petits papillons, bien évidemment. Et on enchaîne avec la toute première semaine du mois de juin qui n'a que deux jours, c'est le petit week-end. Donc du coup je me suis permise de réaliser un super grand papillon à côté qui est horrible parce qu'il est très 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 mal fait, il y a plein de défauts, mais bah moi je l'aime bien quand même. Donc c'est le principal, voilà. Donc, pour faire ce papillon je me suis inspirée d'une photo que j'avais trouvée sur internet. J'ai juste fait du recopiage, donc c'est un petit peu de la triche, hein, mais on dira rien. Donc on enchaîne avec la deuxième semaine et vous allez voir que toutes mes semaines finalement sont assez simples. Ce sont des encadrements parce que c'est ce que je préfère, pour moi c'est plus simple. Voilà, bref, on s'en fiche. Et du coup au milieu on retrouve un papillon, mais non, c'est juste des ailes de papillon. La moitié d'un papillon, voilà, plus précisément. On enchaîne avec la troisième semaine et j'ai décidé de rajouter une petite citation parce que j'adore les citations et puis là pour l'instant j'en avais pas, à part sur la page de présentation, donc j'en voulais une de plus. Bref, voilà. Et toujours avec plein de petits papillons. Tant que tu ne déploieras pas tes ailes, tu ne sauras jamais si tu peux voler. Avant-dernière semaine, eh bien, on retrouve un très très grand papillon tout en haut de la page qui malheureusement a bavé. je suis très très maladroite et puis bah voilà, je fais toujours plein de conneries. Bah c'est comme ça, on assume, voilà.
on termine avec la toute dernière semaine du mois de juin et deux grands papillons pour mettre en plein milieu. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est tout pour mon mois de juin sur le thème des papillons que j'aime tant. Donc j'espère que ça vous aura plu, même si comme à chaque fois ça casse pas trois pattes un canard, hein, je fais de mon mieux, mais avec le temps ça s'améliorera, peut-être, ou pas. Donc bref, j'espère quand même que ça vous aura plu, je vous fais tout plein de gros poutous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.